Pour moi, créer un jardin, c'est comme dans la peinture, faire un autoportrait. Quand j'ai travaillé au jardin Majorelle, j'ai appris à faire l'archéologie de la couleur. Il y a dans cette maison de vie, il y a la vie de la maison intérieure avec sa chaleur intérieure et les différents espaces où l'hiver on fait un feu de cheminée, où l'été on se met dans le patio de la maison et il y a la vie dans le jardin. Pour moi, créer un parfum, c'est exactement la même chose que de créer un jardin. Sauf que dans un jardin, les odeurs et les saveurs sont éphémères, alors que dans un parfum, je peux les capter pour l'éternité.